Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous apprendre comment changer vos plaquettes de frein. Pour cela, il vous faut un jeu de clé VTR, une paire de plaquettes neuves, un tournevis cruciforme, un tournevis plat et une pince plate. Pour changer vos plaquettes de frein, dans un premier temps, vous allez démonter la roue pour avoir accès à l'étrier de vos freins. Du coup, vous avez accès à votre étrier de frein qui est situé juste ici. Vous allez enlever la goupille. Une fois que la goupille est partie, vous pouvez faire glisser vos plaquettes défectueuses. Vous allez prendre vos plaquettes neuves, les mettre comme ceci. Avec vos plaquettes neuves, vous allez les insérer dans l'étrier. Une fois qu'elles sont bien insérées, pensez à remettre la goupille. Pensez à verrouiller la goupille. Maintenant que votre goupille et vos plaquettes sont en place, il ne nous reste plus qu'à pousser les deux pistons à l'intérieur de l'étrier pour pouvoir y loger votre roue sans problème. Pour cela, vous prenez votre tournevis plat et vous allez très légèrement pousser de gauche à droite vos deux plaquettes. Cela va vous permettre de pouvoir y mettre votre disque sans problème. Maintenant que vos plaquettes sont installées, il ne vous reste plus qu'à rééquilibrer votre frein. Vous allez dévisser légèrement votre étrier. Ensuite, vous allez fixer la roue. Pour équilibrer votre frein, il vous suffit de faire tourner votre roue, de freiner un coup sec, vous gardez bien la main sur le frein et vous revissez. Votre frein est rééquilibré, prêt à l'emploi.